Qu'est-ce qu'on fout à Péan? Et tout ce silence, la paix, la boueur,
se sconferma. Et pour ceux qui n'étaient pas nés il y a 20 ans, on va vous montrer là ce qu'on a fait à Ouveillan et ce que tous les Ouveillanais ont fait depuis 20 ans. La plainte douloureuse d'un chien qui aboie. Le silence inquiétant qui précède les rêves. Quand le monde disparaît, on est face à soi. Les frissons ou l'amour, l'automne s'en mêle. Le noir s'engloutit sous notre foi, nos lois. Cette inquiétude sourde qui coule en nos veines, qui nous saisit même après les plus grandes joies. Ces visages oubliés qui reviennent à la charge, ces étreintes qu'en rêve on peut vivre sans foi. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font rire tard. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font rire tard. Ces paroles enfermées que l'on n'a pas su dire, ces regards insistants que l'on n'a pas compris, ces appels évidents, ces lueurs tardives, ces morsures au regret qui subit à la nuit, ces solitudes dignes au milieu des silences, ces larmes si paisibles qui courent inexpliquées, ces ambitions passées, mais auxquelles on repense, comme un vieux coffre plein de vieux jouets cassés. Ces liens que l'on sécrète et qui joignent les êtres, ces désirs évadés qui nous feront aimer. Que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font rire tard. Ces raisons-là qui font que les raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font rire tard.
est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas. Je vais vous présenter quelqu'un qui fait partie de l'histoire du Veillant aussi. Non, c'est pas la pluie, c'est vrai qu'elle était là il y a longtemps. Mais... Il a déjà fait au Veillant 6 fois, avec moi, avec d'autres. Et tous les deux, on a partagé peut-être 600 fois ou 6000 fois, je sais pas, la scène. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu devant des gens. Mike Jones. Au retour, il voit sa thèse et tout devient dans les sourds. La nuit camoufle pour quelques heures. La zone sale, les épaves et la laideur. J'ai pas choisi.
silence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets. Et si le froid que j'en boirai témoigne à l'ego. C'est aussi un grand fidèle d'Ouveillan. Il est venu la première fois, c'était un artiste déjà affirmé, mais un peu débutant. Ensuite, il est devenu une très grande vedette, il est resté fidèle à Ouveillan. Ensuite, il est devenu l'un des plus grands compositeurs français, en particulier pour les autres, et aussi pour des comédies musicales qui ont fait le tour du monde. Il est resté fidèle à Ouveillan. Actuellement, il est en plein de travail. Il termine un disque pour la lutte contre le sida. Où il a eu 120 artistes qui sont venus sous ses ordres. Il est resté fidèle à Ouveillan. Et il est Ouveillan ce soir. Pascal Obispo. Merci.
En parlant des copains, ça fait quelques années que j'étais, je sais pas si c'est le bon mot en fait, inducté dans les enfoirés. En fait, c'était 2006, pour être précise. Et depuis, j'ai du mal à les quitter en fait. Vous pouvez comprendre ça, j'imagine. Sont mes amis, sont mes frères et mes sœurs. Et voilà, c'est pour ça qu'on est tous ensemble. Et c'est des soirées comme ça qu'on fait qui comptent pour nous. Pour venir ensemble pour une cause très très noble. Et maintenant j'aimerais inviter un frère à moi. Mesdames et messieurs, a big round of applause pour Mr. Michael Jones. S'il vous plaît. Yeah.
que ce serait possible d'avoir deux tabourets pour la prochaine chanson?
Une chanson un peu pour les filles. Chanter malgré tout, sous une pluie battante. Voilà, aujourd'hui, je suis très content, très honoré de présenter quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous, mais surtout, et beaucoup pour moi, Monsieur Jean-Jacques. Monsieur Jean-Jacques. Ça sent la fin un peu. Hein. Franchement, merci à tous les artistes qui sont venus, ils se sont bien donnés. Je suis fier d'eux.
dans tous les répertoires, il y a des chansons qui s'adaptent plus ou moins aux soirées. Je trouve que celle-ci s'adapte bien à l'endroit, au lieu, au moment. Ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir, bizarre, je reconnais ton regard. Tu cherches une image et tu cherches un endroit où je dérive parfois. De mon ordre et de mon rang, celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang, des poignées de secondes dans cet étrange monde qui te protège si longtemps. Pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Tu crois pas à grand chose, ni tout gris, ni tout rose, mais ce que tu crois, c'est à toi. Oh, t'es du parti des perdants, consciemment, viscéralement, et tu regardes en bas, mais tu tomberas pas tant qu'on aura besoin de toi. Comme grain de raisin, petit bout de petit rien. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Protège si longtemps. Thank you.
veillons. Allez, une petite dernière, c'est parti!
Christophe Pinero. Wow. Au clavier, Michael Lecoq. Hey. À la basse, Henri Dorina. Wow. Première partie et guitare, évidemment celui qui nous a enchanté, qui a démarré le spectacle, Jean-Marie Lowe. Jean-Marie, il est là. Jean-Marie Lowe. Et pour le son, pour vos oreilles et nos oreilles, Christian. Aux lumières, Fred. Au son, retour, Taïsa. Et toutes les équipes de Yannick, Alexis et Christian. Merci de tout notre cœur. Merci aux voyants. Enfin, merci. Encore sur vous. Et tous les bénévoles. Aujourd'hui, on a plus.